I am jewel of contentment. And seated on Baba's heart throne, there is deep harmony, une profonde harmonie. Heart is full of love. Cœur est empli d'amour. There is calmness. Mind is free from desires. L'esprit est libre de désirs. I am one who is constantly content unique with my fortune, with my part, with my own self. Is fortunate to have contentment. Il y a une fortune d'avoir ce by nature. I am a soul who is constantly content. Qui est celle d'être une âme constamment contente, qui a toujours ce contentement, tout le temps. Whatever I have, quel que soit ce que j'ai, and then I'm receiving from Baba, que je reçois de Baba. All my needs are fulfilled. Cela est reçu de Baba et tous mes besoins sont ainsi comblés. Baba gives me more than I need. Baba me donne plus ce dont j'ai besoin. I look at my efforts. Je regarde mes efforts. Yes, I can do more. Oui, je peux faire plus. Je peux progresser. But with the knowledge of drama. Mais avec la connaissance du drama. I still have contentment. J'ai encore du contentement. Contentment. Et avec ce contentement, I have determination. J'ai la détermination. That I can do more. Je peux faire plus, que je peux progresser. But never disappointment. Mais jamais de déception. Contentment helps me to move forward. Le contentement me permet de continuer de grandir. Then if there is disappointment, then I get stuck. Car s'il y a du mécontentement, de l'attente, quoi que ce soit, never alone. Je suis alors arrêté. The thoughts of disappointment, ne jamais permettre aux pensées de déception, de découragement. Always remember. Simplement toujours se souvenir. Baba. Is with me to help me. Est avec moi pour m'aider. Have total trust in Baba. Avoir une foi totale en Baba. As I have pure heart and pure desire. Alors que j'ai un cœur pur et un désir pur. To become perfect and complete. Le désir pur de devenir parfait et complet. Baba creates
Bouddha a créé ainsi de nombreuses opportunités. Prends soin de moi, me pourvoit de ce dont j'ai besoin, afin que je puisse faire de bons efforts et continuer d'avancer. Like these days, Baba and Rama. En ces jours, Baba et Rama. Baba is giving situations of drama, giving us enough time. Me donne les situations du drama au bon moment. So that we can make extra efforts. Afin que je puisse faire en extra. Since 2 months, Baba has given us extra time. En tant qu'humain, Baba me donne un temps extra. Unlimited Brahmin company. Avec la famille Brahmin illimitée. So that I can make efforts, extra efforts. Afin que je puisse faire des efforts en extra. En restant de la compagnie de Baba. Et donc, avec contentement, je maintiens cette confiance. So that you never feel afin de ne jamais ressentir that I won't make it. Baba will help us. Je peux réaliser, Baba m'aidera. Me donne une aide en extra, un pouvoir en extra. So when there is contentment in the heart, afin que lorsqu'il y ait ce contentement dans le cœur, alors les autres ne penseront que positif, les pensées élevées s'élèveront de nous. And also move forward. Et aussi, je continuerai d'avancer. So I maintain contentment. Ainsi, je maintiens ce contentement. Baba is always pleased. Baba est toujours avec les âmes who have contentment in life. Qui ont ce contentement. So now I take drishti from Baba. Donc maintenant, je prends le drishti pour prendre le certificat du contentement.
Aujourd'hui, Babdada, le donneur de fortune. Ligne de fortune au milieu du centre, au milieu du front de tous les enfants, au centre de tous les enfants. Les lignes des étoiles divines brillantes sont visibles sur le front de chaque enfant. Baba voit les lignes de l'amour et du pouvoir dans les yeux de chacun. Voit la ligne élevée, la ligne des doux mots élevés sur vos lèvres. Ligne d'un doux sourire brille sur vos lèvres. Éclate. Baba voit dans votre cœur ligne d'un être fondu dans l'amour du réconforteur des cœurs. Baba voit dans vos mains la ligne d'être toujours remplie de tous les trésors. Baba voit la ligne de gagner des multimillions à chaque. Personne d'autre à travers le cycle entier a une telle fortune élevée.
Shanti. Increase your account of augmenter le compte d'accumulation. Le plan d'épargne of charity. Accumulation de la charité. Always check. Vérifiez toujours. Combien de charité ai-je accumulé aujourd'hui avec mon esprit ou avec un service quelconque? Et sur la base de la charité, combien de choses insignifiantes ont été éliminées? Combien ai-je dépensé et combien ai-je économisé? Si les obstacles viennent encore et encore, que j'utilise mes vertus et mes pouvoirs pour mettre fin, alors combien ai-je utilisé? En étant yogyukt et en rendant service, en faisant du Père mon compagnon, combien de charité ai-je accumulé? Installez un tel mécanisme de vérification au bureau de votre cœur, continuez à vérifier, alors le changement aura lieu. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avikti Parivar. Today's date. Bienvenue à Avikti Parivar. Aujourd'hui, on est le 26 mars. Monter, donc faire l'accumulation de la charité. Accumulation of charity. Now we will listen. Donc le camp d'accumulation en faisant un plan d'épargne. En Muniditi. Non? Om Shanti, everyone. Om Shanti à tous. Okay. On est OK. Okay. Eh bien. To be okay also. Être OK aussi. Cela vient du fait de l'accumulation, n'est-ce pas? Even whatever. Ça signifie que quel que soit. Que soit les situations ou les circonstances viennent, mais de garder le soi OK. Et c'est seulement possible s'il y a de l'accumulation de charité. Mais aussi, et l'un des devoirs que nous avons à faire est celui de l'image de la forme. Baba donne 7 points. En premier, de commencer par le top, le niveau d'ange. En premier, vous regardez l'étoile du succès avec les lignes de votre fortune à travers le milieu du front. Nous ne pouvons faire cela pendant un moment. Regardez la ligne. Ligne de fortune. In between the lines of fortune. Et entre les lignes de la fortune. Dans vos yeux, il y a l'amour et le pouvoir. L'amour assurément a des vibrations très puissantes. C'est invisible, très vibrant. And it's good for the self. C'est bon pour le soi, mais aussi pour l'environnement et les relations.
Mais aussi le pouvoir est demandé. Parce que dans l'amour, lorsqu'il y a l'attachement, on est très profondément connecté. J'aime cela. Celui-ci est bien, celui-là est bon, j'aime cela. Très subtilement, nous commençons à être impliqués. Et ensuite, il y a aussi de l'attachement. Et donc, Baba dit, l'amour est le pouvoir. Quand je suis allée offrir Bhog, j'ai toujours ressenti le drishti de Baba. Et toujours été très aimant et mais aussi très puissant. Et ensuite, en troisième, Baba a dit, dans votre cœur, réconforteur des cœurs. Donc, le cœur est très profondément dans le repos et le confort. Nous ne réalisons pas bien chacune de nos pensées de l'esprit est directement affectée dans le cœur, par le corps, directement affecte le corps. Donc, quand il y a des crises, des attaques du cœur, cela est très commun. Bien sûr, ça peut être dû au stress, certains soucis.